déstabilisant qui a été la cause du collapsus des molécules. Toute la culture a été affectée. Malgré mes efforts désespérés et mes prières, l'embryon présentait plusieurs malformations à l'épine dorsale et n'a pas survécu. Difformité congénitale au crâne. L'embryon n'est pas viable. L'embryon n'est pas viable. L'embryon n'est pas viable. Pas viable. Encore une fois, le diable cherche à s'opposer au projet que Dieu m'a confié. L'expérience entre dans sa phase finale. Moi seul, j'ai compris le message caché dans la pierre. Ce message m'était destiné. Moi seul, je pouvais le comprendre parce que Dieu m'a parlé dans un rêve. La pierre tombée du ciel cachait le Saint-Esprit, le code de la vie, l'ADN divin. Avec l'aide de Dieu, un nouveau sauveur se promènera sur la terre pour y régner jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
efforts de toutes ces années seront bientôt récompensés. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus.